finalement, on s'est retrouvés relativement vite, vu que je viens de finir la précédente vidéo. Donc, nous revoici, nous revoilà plutôt. Donc, cette fois, de quoi allons-nous parler? Des projets de la chaîne. De ce que je compte faire, de ce que je compte mettre en place, et ce genre de choses. Comme vous l'avez vu, je suis toujours aussi douée pour faire des intros, c'est une catastrophe, mais bon bref. Donc sur les projets, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà, on va garder ce système de chronique. Ça, je veux que ça reste en fait, tout simplement, puisque à la base, quand j'ai créé cette chaîne, c'était pour tous les néophytes, en fait, tous ceux qui veulent commencer dans l'univers du manga, tous ceux qui veulent ne serait-ce que se renseigner pour des proches, donc là je pense aux parents, aux oncles, tantes, grands-parents et compagnie, où en fait à chaque fois vous vous retrouvez plongé dans un jargon qui est, c'est juste en fait un sacré bordel, et du coup voilà, donc à la base ma chaîne elle était là pour ça, et je veux qu'elle continue à garder cette ligne conductrice en fait, vraiment, voilà. C'est pour ça que là, les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est que je vous refais les mangas et leur genre. Pourquoi? Parce que la première vidéo que j'avais faite, elle dure 30 minutes, que je l'ai faite en one shot, et du coup, j'étais tellement stressée que, autant au début, je prends le temps de bien expliquer de ci et de là, mais sur la fin, j'accélère et finalement, je ne dis pas forcément tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai envie d'exprimer. Donc, normalement, là, va s'en suivre 3 vidéos. Donc, on aura la première vidéo, donc, où ça sera Shonen, Shoujo, Kodomo. Deuxième vidéo, où on a Seinen et Chosei. Et troisième vidéo, où ça sera Boys Love, Yuri et Hentai. Voilà. Pour, et comme ça, au moins, en 3 vidéos, je pense que j'aurai plus de temps pour vous exprimer les choses. Et faire quelque chose qui va pas durer non plus 30 ans, parce que sur la première, il aurait fallu que je fasse à la limite une timeline, enfin bref, gros bordel. Donc voilà, donc c'est pour ça que les mangas et leur genre, cette vidéo qui actuellement est toujours sur la chaîne, j'hésite très fortement à la supprimer du coup, puisqu'elle va être vite remplacée, donc je vais la laisser pour l'instant, et quand la troisième vidéo sera là, je la supprimerai pour éviter qu'il y ait des doublons. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai aussi fait une playlist avec les anciennes vidéos, où la playlist du coup s'appelle les chroniques de Kurama. Et là, du coup, maintenant, mes nouvelles vidéos sortiront toujours sous playlist. Donc, on aura une playlist, en fait, pour chaque genre et ce genre de choses. Ensuite, pour ceux qui sont là depuis le début, vous avez vu que maintenant, je n'appelle plus les chroniques de Kurama, mais Kuraime. Pourquoi Kuraime? Alors, parce que déjà, j'ai eu des petites réflexions, en fait, sur Insta. En disant oui, tu te prends pour une princesse, parce que Ime ça veut dire princesse en japonais. J'étais là, c'est plus compliqué que ça. Alors, déjà, je vais vous expliquer l'histoire du nom, on va dire. Kura Ime, Kura pourquoi? Kurama, voilà. Kurama ça reste. Ça restera comme ça et ça ne changera pas. Voilà, mon petit Kurama, mon petit Kyubi. Voilà. Ensuite, l'autre pseudo, donc Ime. Ça vient de Final Fantasy, World of Final Fantasy très précisément, et ça vient de Tamamo Ime. Et Tamamo Ime qui est une petite évolution, et en fait c'est elle aussi un renard, et un renard à 9 queues. Voilà, tout simplement, j'ai juste mis 2 Kyubi, donc 2 renards à 9 queues ensemble, et du coup ça a fait Kura Ime. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de prétention, il n'y a rien du tout, c'était, je voulais juste mettre mes 2 kiffs ensemble, et du coup voilà. Au-delà du coup du changement de nom et du changement de l'identité visuelle, va aussi y avoir des changements au niveau du contenu. Parce qu'en fait, en m'appelant les chroniques de Kurama, ce qui se passait, c'est que je restais bloquée dans le côté roman, manga et compagnie. Chose que, bon, vous voyez, j'ai quand même de quoi partager. Mais ce ne sont pas mes seules passions. Et je ne voulais pas ouvrir d'autres chaînes pour parler de d'autres trucs et tatati tatata. Je voulais vraiment tout regrouper sur la même chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des mangas et des jeux vidéo... Non, en plus des mangas et des romans, ce que je kiffe aussi, c'est les jeux vidéo. Voilà, on va y aller. Donc voilà, donc dans l'avenir de la chaîne, certains s'en sont doutés, il y aura une chaîne Twitch qui va arriver. Alors je voulais qu'elle arrive à la base là, voilà. Malheureusement, ça devrait être reporté pour la bonne et simple raison que j'ai le PC, j'ai les écrans.
J'ai pas le bureau, j'ai pas la chaise. Voilà, voilà, voilà. C'est un peu compliqué. Et même, c'est surtout que pour pouvoir streamer, même si je peux commencer avec une webcam basique, etc., il faut quand même un bon son. Et il faut que j'investisse dans un micro. Et bref, il y avait trop d'investissements à faire d'un coup. Et vous pensez bien que vu que je viens de déménager, que j'ai dû faire tout ça, mine de rien, tout aménager et tout ça. Voilà, chaque chose en son temps. Donc, le projet est repoussé, mais le projet est bien là. Qu'est-ce que je vous streamerai? Avant tout, et je suis désolée, du Sims. Voilà, je suis une énorme joueuse Sims. Alors après, il y a des streameuses Sims qui comptent plus leurs heures. Moi, j'ai même pas encore atteint les 1000 heures de jeu. Hein. Je crois que je dois être à 890, un truc du genre. Mais voilà, je suis une grosse joueuse. Je fais énormément de construction, plus de construction en fait que de gameplay, parce que le gameplay m'ennuie. C'est pour ça que si je dois proposer du gameplay, je le ferai sous forme de challenge. Déjà pour que ce soit stimulant pour vous et aussi pour moi, parce que voilà, moi le gameplay ça me saoule. Par contre, les constructions, je ne sais pas encore si je les ferai en live ou si au contraire je vous ferai des vidéos. Ça, j'ai pas encore trop décidé, mais voilà. Ensuite, en plus du Sims, je me laisse en fait le truc de décider en fonction de ce à quoi je veux jouer. Sachant que j'aimerais reprendre WoW depuis le début, parce que je suis une quiche, donc déjà attendez-vous à avoir que du full quête au début, et je suis pas super méga douée quoi qu'il arrive, mais bon, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, mon but c'est de kiffer, et si vous ça peut faire kiffer, c'est tant mieux. Moi en fait je veux juste partager un truc où je m'amuse, donc c'est tout ce que je veux. Donc il y aura de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être retrouver? Après, au niveau jeu, j'ai quand même beaucoup de choses, sachant que j'ai la Play et la Switch, donc je pourrais, quoi qu'il arrive, les connecter sur le PC. Voilà, potentiellement, il y aura peut-être du God of War, du The Witcher. Enfin, quoique The Witcher, je l'ai déjà commencé, mais bon, à la limite, je peux peut-être le continuer avec vous, éventuellement. Qu'est-ce que je vais avoir encore? Parce que j'ai prévu de refaire Ghost of Tsushima en mode normal, parce que je l'avais fait en mode facile. Donc je prévois de le refaire, donc je peux très bien le refaire avec vous. Enfin, bref. Pour l'instant, ça, je ne l'ai pas encore, établi, étant donné que quoi qu'il arrive dans le premier temps, ça sera fatalement du Sims, et surtout, majoritairement, ça sera du Sims. Voilà, ça, je préfère vous le dire. Le truc que je ferai majoritairement, je pense que ça sera ça. Donc après, le reste, ça se fera en fonction des envies, mais voilà, on commencera avec ça. Ensuite, par rapport au manga, déjà, il va peut-être falloir que je rattrape aussi au niveau des sorties. Certains trucs déjà par rapport au manga que j'ai déjà, mais aussi par rapport aux nouveautés, donc je verrai. Après, je veux quand même rester sur ce que je faisais au départ, qui était de je peux pas vous faire une chronique s'il y a que 2 tomes qui sont sortis. Ça, donc c'est pour ça que quand je dis nouveauté, à prendre avec des pincettes, parce que pour moi, on ne peut pas juger une œuvre sur 2 tomes. Et donc c'est pour ça que je vous ferai des chroniques essentiellement, je pense, sur des mangas qui sont terminés ou sur des mangas où on a déjà au moins 10 tomes. Comme vous voyez, j'ai quand même de quoi faire. Vous inquiétez pas, de toute façon là j'ai déjà fait une prog, j'ai la prog là jusqu'à début novembre. Donc on aura, vous inquiétez pas, on va pas trop avoir le temps de s'ennuyer normalement. Donc du coup voilà pour les bases. Ensuite, pour la participation, parce qu'en effet, je veux vous présenter des choses qui m'amusent, que j'ai envie de faire, bon jusque-là tout va bien, mais je veux aussi que vous soyez investis. Rassurez-vous, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas vous qui allez décider, à moitié en fait. C'est qu'en gros, moi là au début, j'ai prévu en fait certains mangas que je vais vous présenter depuis un moment, donc je vais le faire. Mais après, il est fort possible que j'hésite, peut-être sur certains genres, etc. Donc c'est pour ça que là, quand les vidéos là, sur les mangas et leurs genres seront sorties, je ferai certainement un sondage soit sur Insta, soit sur YouTube, soit les deux, où en fait je vous demanderai quel genre du coup vous voulez pour la prochaine vidéo. Est-ce qu'on fait du shoujo, est-ce qu'on fait du shonen, etc., etc. Une fois que vous aurez décidé le thème, vu que ça sera sur le premier truc, moi une fois que vous décidez le thème, je vais choisir moi-même le manga. Mais par contre, après, ce que je ferai, c'est que si j'ai envie de lire 2 mangas, ben, je vous ferai choisir. En fait, les fois où je ne saurai pas trop, en gros, je vous laisserai choisir les chroniques que vous voulez voir, tout simplement. Et comme ça, au moins, c'est...
je continue quand même à faire ce que je veux, parce que si je vous le propose, c'est que c'est des mangas que j'aime et que j'ai envie de lire quoi qu'il arrive, rassurez-vous. Mais au moins, je vous laisse participer dans le sens où peut-être qu'il y a des mangas que moi j'ai envie de vous présenter en priorité, mais que vous, vous en foutez un peu en fait. Et ça, je le conçois totalement, et c'est pour ça que je propose que vous donniez votre avis, mais seulement à ce moment-là. Donc voilà, donc déjà on a ça. Sur quoi aussi je voulais vous faire un petit topo, un petit point. Déjà, je pense qu'on est pas mal, sachant que voilà, c'est que le début, il faut vraiment que je reprenne. Pour l'instant, sur le planning, idéalement, je voudrais avoir un système de sortie de une vidéo par semaine. Je sais, j'ai les yeux plus gros que le ventre, mais là, actuellement, si je puis dire, je prends une année sabbatique parce que bon, jusqu'à présent, enfin, chercher un appartement, aller voir le médecin, aller voir le kiné, aller voir ci, aller voir ça, c'était pas une année sabbatique et quoi qu'il arrive, j'étais en arrêt, donc ce n'était pas des vacances. Là, en fait, je veux prendre, me donner un an pour que ben, on réussisse en fait, pour que la chaîne réussisse, pour que Twitch ça marche. Pour voir ce que ça va donner. En fonction de ça, j'aviserai, on se donne rendez-vous dans un an, on verra ce qu'on fera. Mais actuellement, je compte me donner à fond, là, toute cette année-là, je compte donner vraiment toutes les chances possibles à mon projet. Donc, pour l'instant, je suis sur cette base-là, et comme je ne travaillerai pas du coup à côté, je peux être 100% focus. Cependant, si je vois que la cadence de une vidéo par semaine, c'est trop compliqué, il y en aura au moins deux par mois. Ça, c'est sûr et certain. Ça, par contre, si je veux que ça marche à un moment donné, faire un truc où je fais une vidéo tous les 6 mois, ça marche pas comme ça. Et donc voilà. Donc non. Donc pour l'instant, je suis sur cette cadence-là. Donc ça sera les vidéos sortiront tous les vendredis entre 18h et 18h30. Et ça, d'ailleurs, ben là, je suis sur cette base-là. Mais du coup, ben, pour les prochaines vidéos, là, pour les mangas et leur genre, n'hésitez pas à me MP ou à commenter la vidéo. Et à me dire quelles heures vous préférez. Moi, si j'ai préféré du 18h-18h, entre 18h et 18h30, pourquoi? Parce que les gens ont fini le travail, qu'ils ont envie de démarrer le week-end, et que je me dis, bah, juste en rentrant du boulot, se mater la dernière chronique, et puis après, on entame le week-end tranquillou. Je me dis que ça peut être une idée. Donc voilà. Et puis, de toute façon, j'avais vu que sur Insta, vous êtes quand même pas mal actifs le vendredi en général, donc c'est pour ça que je reste sur cette base-là, mais c'est quelque chose qui peut être amené à bouger. Comme je disais, c'est le début, faut qu'on trouve notre rythme et qu'on voit ensemble en fait ce qui peut être fait ou non. Parce que certes, comme je dis encore une fois, c'est mon plaisir de partager, mais c'est également aussi vous ce que vous avez envie de voir dans ce que je veux faire. Hein. Attention, je reprécise, sait-on jamais. Donc du coup voilà ce que j'avais à dire en tout cas pour le retour, pour la chaîne. J'espère que ces projets-là vont vous plaire, sachant que aussi j'ai failli oublier. Vu que je veux vraiment mettre tout ce que j'aime, vous pourrez potentiellement voir des vidéos make-up qui peuvent popper. Mais ça sera plus rare et ça, je la ferai pas, certainement pas en fait en vidéo du vendredi. Parce que ça, je pense que tout le monde ne sera pas forcément intéressé. Voilà. Donc ça sera peut-être un supplément des fois. S'il y a un make-up que j'ai fait, que j'aime bien, je le filmerai. Par exemple, celui-là, je pourrais peut-être faire un truc, je sais pas, je verrai. Pour l'instant, c'est pas dit en fait, mais c'est un truc auquel je pense. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir en avance. Tout comme je voulais refaire une vidéo sur les lentilles, sur les lenses en fait, sur comment on les met, sur comment on en prend soin et ce genre de choses, comme j'avais fait à l'époque où je travaillais à Mangadori. Je compte quoi qu'il arrive vous en faire une sur cette page, enfin sur cette chaîne en l'occurrence. Donc ça aura lieu aussi, mais en gros voilà, ça sera des vidéos touche à tout. Sachant que si je dois vlogger, si je dois faire des conventions, ce genre de choses, il y aura. Étant donné que je suis une accro à Disney, normalement vous devez le savoir, si je dois vlogger également, je pense que je vous le partagerai dessus. Mais voilà, je préfère juste vous dire, pour l'instant, là, ça c'est du futur, 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 futur. Là, maintenant, de suite, on va se concentrer sur tout ce qui est roman, manga, animé. Aussi, je pense que je vous ferai des chroniques sur les animés. Après, bien entendu, il y a des chroniques qui se croiseront avec les mangas parce que ben, je vous proposerai les deux supports pour ceux qui ont une version papier et la version anime. J'aimerais aussi vous présenter des webtoons parce que j'en lis énormément. Parce que en fait, je lisais pas de manga pendant ces 3 dernières années. En fait, j'ai un retard de 3 ans sur les sorties. On adore.
Ouais, je lisais des webtoons, mais il faudrait que je vois comment je peux vous les présenter, sous quel format, est-ce que Webtoon accepte ou non qu'on puisse faire des captures d'écran pour mettre sur les vidéos, etc. Voilà, je dois faire des demandes, envoyer des mails par-ci par-là pour savoir avant de vous proposer quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est dans mes envies. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Là, normalement, je crois que grosso modo, je vous ai exprimé et expliqué tout ce que je voudrais sur la page. Après, ce que j'aimerais aussi, c'est de temps en temps, pourquoi pas faire des vidéos, peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois. Encore une fois, on verra, c'est un projet. Mais des vidéos peut-être plus chill, en mode blabla. Donc, soit je profiterai de live Twitch pour le faire, où on se dédiera, je sais pas moi, 1 ou 2 heures par exemple sur un live. Soit je ferai un système de FAQ, encore une fois, ou si vous m'envoyez des questions de temps en temps, essayez de les regrouper, vous y répondre en truc. Mais des trucs un peu chill où on peut échanger ensemble, ça j'aimerais bien aussi avoir ça. Donc je ne sais pas encore trop la cadence, parce que pour l'instant je ne me repose pas sur ça. J'aimerais d'abord voilà, rattraper ce que j'ai bien pu faire et tout ça. Sachant que aussi tant que je vous tiens. À la limite, je ferai peut-être une publication à ce sujet sur Instagram pour recueillir plus d'avis, au cas où. Je vous avais fait donc la chronique sur Takane et Yana, mais aujourd'hui, Takane et Yana est un manga qui est terminé. Donc, du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça vous intéresserait qu'à la limite, je vous refasse une chronique sur la fin, du coup, de Takane et Yana, où on regroupe tout, savoir ce que, si par rapport à la première fois, si mon impression s'est essoufflée, si c'est différent, si finalement j'ai un nouvel avis, si j'ai été déçue, ce genre de choses. Parce que je trouvais que c'était une chronique facile, entre guillemets, mais en même temps, si certains d'entre vous veulent finalement l'avis global de l'œuvre terminée, ça serait bête de ne pas le faire. Donc c'est pour ça que je vous le propose. Maintenant, vous me dites, et je vous ferai certainement une publication à ce sujet également pour ceux qui oublieraient ou qui ne regarderaient pas les vidéos à chaque fois. Donc voilà. Donc je pense que cette fois, on est bon. Alors rassurez-vous, là, sur cette vidéo et la précédente, c'est majoritairement du one shot. Mais sur les chroniques, on vous refera le même système que sur Say I Love You, en fait, où je vais séparer en intro, intro-conclusion, fatalement, mais avec aussi les avis, etc. Voilà, je ferai des coupures dans la vidéo. C'est juste que là, je voyais pas vraiment quand est-ce que je pouvais faire des cuts ou des coupures pour présenter certains trucs. Donc du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que là, on est sur ça. Et j'espère que ça vous ira. J'espère que pour l'instant. Ah, le peu qui me suit, vous êtes content? Que ça vous fait plaisir, qu'en tout cas ça vous donne envie de rester sur la chaîne et de voir son prochain contenu, futur contenu, bref, c'est la même chose. Et j'espère du coup vous voir nombreux sur les prochaines vidéos et n'hésitez pas en tout cas à me donner vos avis à chaque fois. Je peux en avoir besoin, n'est-ce pas? Et voilà! Donc du coup, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!